Sur les réseaux sociaux, Élodie Gossuin partage quelques instants de son quotidien. Ces moments qu'elle vit en intimité avec ses proches, loin des plateaux de télévision. Cette fois, l'ancienne reine de beauté devenue animatrice révèle quitter la France pour un nouveau projet. Sans ses enfants. Un déchirement pour elle. Nouveau défi de taille pour Élodie Gossuin. La jolie blonde qui a été élue reine du Muguet à Compiègne 1998, Miss Picardie 2000, Miss France 2001 puis Miss Europe 2001 s'attaque à un tout autre projet. Pas question de défiler sur un podium cette fois, mais plutôt d'user de ses compétences sportives. En effet, elle s'envole vers la Guadeloupe pour la course Femina Adventure. Et bien qu'elle soit bien accompagnée, elle vit mal la séparation avec ses deux paires de jumeaux, Jules et Rose, 15 ans, ainsi que Léonard et Joséphine, 10 ans. Ce lundi 13 novembre 2023, Élodie Gossuin partage en story sur Instagram son départ pour la Guadeloupe. Si estie depuis l'avion Air Caraïbes qu'elle se prend en photo. Et sur ce selfie, elle prend la pose aux côtés d'Amélie Triquet, sa petite sœur également maman de 3 enfants. Et si le duo apparaît souriant, cette photo cache une toute autre réalité. On sourit mais on vient de pleurer. Excité mais angoissé. Si difficile de quitter nos 7 enfants, écrit alors Élodie Gossuin. Pas d'inquiétude, ses jumeaux sont entre de bonnes mains avec leur papa Bertrand Lacherie, avec qui elle file le parfait amour depuis 17 ans. Élodie Gossuin peut compter sur sa sœur footballeuse la course Femina Adventure Guadeloupe, CST du 14 au 19 novembre 2023. Sur 6 jours, dont 4 et demi de course, Élodie Gossuin et Amélie Triquet entendent bien susciter l'entraide et le partage, favoriser les échanges et la convivialité, comme indiqué sur le site officiel de la course 100% féminine. Par ailleurs, il est noté que leur raid est ouvert à toutes les femmes majeures, un peu sportives, beaucoup sportives, passionnément sportives, sportives à la folie. Amélie Triquet est bien à sa place. Habituée des trails, elle est aussi et surtout connue pour sa carrière de footballeuse professionnelle. La jeune femme de 37 ans a évolué au poste de défenseur au sein de l'équipe féminine de Compiègne durant de longues années. Elle forme désormais une équipe avec sa sœur Élodie Gossuin. Et nul doute que les sœurs se donneront à fond dans cette course.